Bonjour à tous et à tous, ici Loïdi, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super, et bienvenue pour une vidéo belgicisme. Donc aujourd'hui nous sommes le 1er septembre, et qui dit 1er septembre dit rentrée, et qui dit rentrée dit école, donc du coup j'ai décidé de faire une vidéo belgicisme spéciale école, donc voilà. Donc même si on parle la même langue, il y a quand même des mots qui changent entre le français et le belge, donc du coup j'ai décidé de faire cette vidéo, donc voilà. Donc je tiens à rappeler aussi que tous les mots que vous entendez dans cette vidéo, mais on n'en parlera pas dans toute la Belgique, parce que j'ai pris des mots de Mons, de Liège, de Wavre, d'Arlon, de Namur, donc voilà. Donc commençons tout de suite, donc ici nous ne sommes pas des étudiants, mais ici nous sommes des estudiantins. Voilà, même moi je ne comprends pas pourquoi, là, je ne sais pas d'où ça vient ce mot. Voilà, mais moi j'utilise plus étudiant que estudiantin. Voilà, donc je pense que c'est plus du côté Liège-Arlon. Donc voilà. Alors, si ici, si vous monte une latte, il faut juste prêter sa règle. Voilà, tout simplement. Alors ici, nous n'avons pas des trousses, mais ici, nous avons un plumier. Voilà, à mon avis, c'était pour mettre les plumes dedans, voilà, tout simplement. Et dans le plumier, évidemment, nous mettons ici nos bics. Voilà, le stylo. Alors, pour nous, le stylo, c'est un peu le stylo plume, en fait. Voilà, donc voilà. Alors ici, oubliez vraiment votre scotch et vos rubans adhésifs. Ici, nous avons le papier collant. Voilà. Alors, nous, ici, en Belgique, quand on demande d'effacer le tableau, on ne prend pas un tampon, mais ici, on prend un frotteur. Même moi, je ne comprends pas pourquoi, mais voilà. Voilà, je suis habitué à dire frotteur, donc voilà. Alors ici, nous n'avons pas des pochettes ni des classeurs. Alors nous, ici, nous avons des fardes. Voilà. Je ne sais pas pourquoi on dit ça, voilà, mais nous, c'est des fards. Voilà. Voilà, donc ici, un petit peu ce qui diffère entre la France et la Belgique, c'est quand on double. Voilà, parce que ici en Belgique, on dit doubler, alors qu'en France, on dit redoubler. Mais quand on dit doubler, on fait deux fois son année, alors quand on dit redoubler, on fait trois fois son année. Je ne trouve pas ça vraiment logique. Je trouve que maintenant, on parle mieux français que les Français. Enfin bref, donc voilà. Alors ici, nous avons aussi, avant les examens, des syllabus. Donc les syllabus, c'est comme un prépa-bac, voilà, donc c'est pour préparer le bac. Donc voilà, donc nous avons des syllabus. Donc voilà. Alors ici, quand on dit le mot blocus, il y a quand même une grosse différence entre la France et la Belgique. La Belgique, quand on dit le mot blocus, c'est un petit peu la période de révision. Voilà, donc c'est la révision avant les examens. Alors qu'en France, c'est la manifestation, on bloque les entrées de l'école. Donc voilà, donc c'est la fin de ces mots. Voilà, donc en espérant que je vous ai appris pas mal de choses sur les fournitures scolaires en Belgique. Donc voilà, donc c'est la fin de ces vidéos. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous en avez. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne pour savoir si ma chaîne vous plaît. Et si ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao à tous.